Welcome, everybody. Before we dive Bienvenue tout in, le monde. Avant de commencer, nous voulons nous assurer que tout le monde sur l'appel peut comprendre ce qui est dit pendant la réunion. Si chacun de vous allez sur le bas de votre écran Zoom, cliquez sur le globe et décidez quelle langue vous voulez écouter. Ça peut être l'anglais, le français ou le portugais. Je vais demander à mes interprètes de dire la même chose pour que tout le monde soit sur le même niveau et à la même page avant de commencer la conférence. Nous pouvons commencer et demander à l'interprète de français ce que je viens d'expliquer. Donc, chacun de vous peut aller sur le bas de son écran sur Zoom et sélectionner à travers le petit globe qu'il y a dessiné en bas, c'est quelle langue qu'il veut écouter. Il y a l'anglais de disponible, le français et le portugais. Peut-être pour expliquer quelque chose à mes collègues. Nous avons certains problèmes de connexion. Do we want to wait for them to give the Est-ce que nous devrions attendre qu'ils nous donnent les détails ou est-ce que vous voulez qu'on continue? But okay, you're in the English channel. Can you come out of any channel? Come out of all the channels and speak to everyone who's not in the channel. Oh, you're not. Oh, I see. Oh, I, but okay. So we want people who are not in a channel. Who speak Portuguese that are not on the channel to know to speak, to choose one. That was it. Okay. Okay.
Thank you all for sticking with us. We want to Merci d'être ici avec nous. Nous voulons nous assurer que tout le monde peut comprendre les informations qui seront apportées. Merci de rester là pendant que nous essayons de régler le problème. Just let's start. All right, sounds good. Thank you everyone. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence de presse qui parle de la démocratie. Mon nom est Saluma Ayoa et je suis une membre du Parti africain de l'indépendance de la Guinée. Nous avons mis en place cette conférence pour tenir les gens au courant. Les leaders qui ont Nous allons premièrement recevoir des remarques de la part de Emoni Emoja, comité du central du Parti révolutionnaire populaire panafricain et de la Guinée et du Cap-Vert. Nous allons aussi écoutez, Ayassatou Jassi, membre du PAIGC, et M. Sabino Gomez Jr., membre de la commission politique du Cercle 25. Après les trois remarques, nous serons ouverts, après ces trois discours, nous serons ouverts aux questions. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui plus sur la Guinée-Bissau. Donc, dans son dernier testament, au peuple de Guinée en janvier 1973, les peuples se battent pour une indépendance qui a déjà 10 ans. Je dois déjà rappeler à tout le monde que des militaires et les civils présents dans notre parti doivent engager des actions et pas des mots. Pour pouvoir supprimer les intentions criminelles qui tentent de recoloniser nos pays. En harmonie avec les mots de Cabral ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Après tout ce temps, nous allons apprendre des remarques de nos camarades. Premièrement, nous avons Imani Umoja du PAIGC, du comité central qui réside en Guinée-Bissau et c'est une partie et qui fait aussi partie du comité central du Parti révolutionnaire populaire panafricain, directeur de l'école de formation idéologique politique Amilcar Cabral du PAIGC, un membre aussi du conseil scientifique de l'Institut Amilcar Cabral, coordinateur aussi de la section Jolo, le Gabozinho du secteur autonome de Bissau. Aussi, Imani est quelqu'un de très occupé, donc il est aussi membre du conseil de coordination de l'Organisation des peuples d'Afrique de l'Ouest et un membre du comité directeur de l'Alliance Noire pour la Paix, BAP. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, Imani. Vous pouvez commencer. Je voudrais vous remercier d'abord de nous accueillir aujourd'hui parce que, comme vous savez, nous essayons de tout faire en secret. Par exemple, quand vous voyez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, ils essayent toujours de le cacher, mais ils n'y arrivent pas. Donc, nous sommes en train de prendre beaucoup d'initiatives, beaucoup de pas. Quand vous regardez, par contre,
Il y a 20 ans ou 30 ans, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait en Palestine. La même chose s'applique aussi sur le reste du monde, surtout en Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche au monde en ressources souterraines, où la majorité du peuple est une population jeune qui essaye de faire de leur mieux pour évoluer, mais ils nous empêchent d'évoluer, ils nous empêchent d'avancer, ils utilisent nos ressources souterraines. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc, ce qui arrive, pendant le colonialisme, ce que personne dans le monde ne savait, ce qui se passait en Afrique. Très peu de personnes savaient ce qui se passait en Afrique. Les souffrances que nous avons eues en Angola, au Zimbabwe et plusieurs pays africains avec le colonialisme. À part ceux qui vivent en Afrique et les Africains résidant en extérieur de l'Afrique. Mais après, une fois que ces pays sont devenus indépendants, le dossier s'est encore plus allongé. Je parle plus des pays qui ne parlent pas anglais. Je parle essentiellement des pays qui parlent français, espagnol, portugais. Donc, ce qui se passe, c'est que notre peuple, dans notre culture, souffre et ont du mal à se développer et à se développer comme des êtres humains. Quand vous faites des enfants, vous avez un bébé qui, quand il grandira, aura l'âge d'aller à la crèche, d'aller au primaire, par exemple, vous allez avoir du mal à trouver une école convenable. Nous voulons nous assurer d'avoir de bonnes écoles, de bonnes infrastructures, de bons hôpitaux pour notre peuple. Donc, si vous, par exemple, vous voulez aller accoucher dans un hôpital, en général, le service des hôpitaux sont médiocres. Donc, ce sont les souffrances avec lesquelles nous vivons tous les jours. Mais en même temps, notre ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous arrêter. La situation aujourd'hui, le 19 décembre 2023, les gens qui sont au courant de ça ont décidé de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour démarrer cette révolution, les panafricanistes, mettre en place et en œuvre tous les instruments et tous les moyens et les ressources possibles pour améliorer le quotidien des gens. Nous Un parti a été mis en pouvoir d'une manière illégale en 2019, mais l'ennemi a utilisé une marionnette de la France nommée Sokhon Bao en tant que président. Mais a quand même eu la majorité à l'Assemblée nationale. C'est la branche législative, mais pas seulement, c'est l'organe qui a été créé pour s'assurer que les gens puissent voter pour leurs représentants et voter pour leur constitution et l'existence de leur État en Guinée-Bissau. Ils ont fait ça. Après ça, nous avons eu des élections pour le président à l'Assemblée nationale, à l'ANP plus précisément. Donc c'est l'organe suprême de notre gouvernement. Donc ils ont quand même imposé cette marionnette de la France et qui a complètement ignoré les intentions de l'Assemblée nationale. Il a décidé que les élections prendront place en décembre quand même, malgré
que ça devrait être fait dans 90 jours. Les élections ont eu place, ont pris place en juin de cette année, donc 4 mois à l'avance. Beaucoup de voitures, beaucoup de motos avaient des stickers pour véhiculer les publicités pour cette propagande. Et en plus des valises d'argent qui étaient transportées jusqu'au village pour acheter des gens. En plus de ça, la procédure des élections dans l'Assemblée nationale n'a pas été complétée. Il y a eu un vote illégal qui a pris place. D'autres gens qui ont eu des cartes de vote n'avaient même pas 18 ans. Il y a eu d'autres gens qui ont reçu des cartes électorales qui n'étaient même pas des citoyens de la Guinée-Bissau. Notre peuple a souffert et a combattu pour empêcher ça. Ils ont envahi le gouvernement et ont fait en sorte de supporter les sionistes d'Israël en partageant leur propagande un peu partout sur les stations de radio, à la télévision, etc. Mais malgré tout ça, même si notre campagne n'a pas pu atteindre ses vrais objectifs, les gens ont quand même voté pour. Malgré toute la triche et toutes les ressources qu'ils avaient à leur disposition, ils ont seulement eu 24% des voix. Certains d'eux ont été choqués, certains d'eux sont morts, certains ont fui le pays. Malgré toutes les tentatives désespérées qui ont eu lieu en général ce mois-ci, ça a commencé les derniers jours de novembre. Il y a eu deux secrétaires d'État au ministère des Finances et du Trésor. On posait certaines questions à propos des transactions qui ont eu lieu d'une manière illégale. Alors, pour être jugé, il faut que le ministère public porte une accusation et qu'un juge ensuite porte une accusation. Ils l'ont juste validé, les ont emmenés en prison. Ils ont ensuite été pris. La milice du président imposé le jour d'après. Alors le président est revenu de son voyage. Accusé Domingos d'être derrière, de se cacher derrière un coup d'État. Mais je veux souligner ça. À ce moment-là, pendant qu'il y a eu un conflit entre la milice du président et les forces nationales, l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau. Dès qu'il est arrivé, il a dit. Lorsque l'Assemblée nationale s'est réunie, cet président imposé, est-ce que vous pouvez imaginer cet organisme, l'organisme suprême de l'État, n'émet pas de loi, mais ils font tout le contraire, ils font les choses illégalement. Le président de la PN ainsi que les membres
ont estimé que le décret présidentiel est inexistant. Et c'est écrit dans la Constitution qu'on ne pourrait jamais créer des lois qui vont à l'encontre de la Constitution. J'aimerais dire ceci, j'aimerais donner cet exemple. Si vous êtes à Chicago et que vous créez une loi en France, c'est illégal, ça ne marche pas et ça ne fonctionnera jamais. Alors, lors de ces sessions, lorsqu'ils se sont réunis encore une fois, il y a eu des hommes masqués qui ont entouré le bâtiment de l'Assemblée, et ils ont commencé à tirer sur les membres éligibles de nos pays. Cela voudrait dire que notre gouvernement a été que le gouvernement que nous avons élu et du peuple élu a été démis de ses fonctions. Les 16 pays qui font les équipes, les pays ECOWAS, et qui comprend le comité de sécurité qu'ils allaient inviter les membres pour qu'ils soient réélus encore une fois pour l'APN, pour les membres ECOWAS en ce qui concerne la stabilisation de Guinée-Bissau, à savoir 700 soldats armés du Sénégal et Nigeria. Nous en avons quelques-uns au Ghana, un ou deux du Bénin, mais rien d'autre, principalement Sénégal et le Nigeria. Le comité économique de l'ECOWAS ont dit qu'ils vont mettre fin à ce mandat de déstabilisation et reviendront par la suite. Ils se sont retournés contre la mission de la stabilisation armée et vont renouveler le mandat pour une autre année. Actuellement, ce qui est imposé, ce président a imposé, ce qu'il fait, il rentre en contact avec la mission de stabilisation ici au Guinée-Bissau et leur dit que ces deux personnes, ces deux soldats qui ont été élus devraient retirer leur candidature, bien que la loi dit que le président a le droit d'avoir la protection. Eh bien, il a déjà atteint la sécurité au Guinée-Bissau depuis 2014, depuis qu'il était premier ministre, mais ce président imposé a envoyé un message à la sécurité de Guinée-Bissau et dire qu'ils doivent se retirer de la grande maison également. Le message étant de supprimer complètement la sécurité. J'aimerais donner mon opinion et m'exprimer par rapport à ça. La raison pour laquelle ceci se déroule est car nous sommes proches des élections présidentielles et le président que nous voulons va gagner par popularité. Il essaie de faire de son mieux alors pour l'empêcher. Je vais m'arrêter ici. Merci, Imani. Merci de nous avoir donné ce contexte, ce background. C'est vraiment clair que le néocolonialisme a peur des personnes qui essayent de reprendre leur maison, leur institution et leur pouvoir. Merci, je vous apprécie. Alors, petite clarification, s'il vous plaît. Nous allons dépasser le temps alloué juste pour nous assurer à ce que tous nos panélistes et le temps entier alloué est nécessaire pour aborder ce travail important. Prochainement, je vais introduire Aissatou Jassy, qui est membre du PAIGC dans la circonscription 29, section Diolo, Gabozino, base 1, chef de la division de l'administration et de la gestion des ressources humaines DARGH et du secrétariat national de la JAAC, coordinateur de l'Association des jeunes panafricaines révolutionnaires et étudiante en cinquième année d'ingénieur informatique à l'Université supérieure d'informatique Greenhalgh et Soft. Je sais que vous êtes très occupé à Guinée-Bissau.
I think you're still on mute. Il faudra activer votre microphone est en sourdine mal. Satu, you're still on mute. Okay. Boa tarde. Só vou falar do contigo no dia da vigília. Je vais parler sur ce qui s'est passé en jour de vigile. Le 10, nous sommes dirigés au vigile, nous et des camarades de Jacques, et nous étions suivis par les armes de sécurité qui n'arrivaient pas à entrer. Muitas autres choses. Mais ils chegaram et nous virent tous numa position normale. Ils nous ont vus en position normale. Nous étions juste là. Nous voulons juste qu'ils prennent une décision ferme à propos de ce qui se passait en Guinée-Bissau. C'est tout ce que nous avions demandé. Ils nous ont tous frappés et ils ont frappé certains de nos camarades. Ils nous ont embarqués dans leur voiture et nous ont pris dans une prison. Nous y sommes restés 5 heures et ensuite, ils nous ont laissés partir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci de partager avec nous cette oppression auquel vous avez fait face pendant que vous combattiez pour vos droits. Nous allons avoir Sabino Gomez Jr., qui est membre de la commission politique du Cercle 25 pour l'élaboration des livres de recommandations stratégiques pour gagner la lutte contre l'ancien président dictateur José Mario Vaz, membre de l'équipe stratégique dirigée par le Premier ministre Geraldo Martins, qui a préparé le programme d'urgence du gouvernement de la 11e législature, membre fondateur du groupe de réflexion et d'action du peuple pour dénoncer la dictature et lutter contre le président corrompu Omaro Sissoko Embalo, conseiller politique pour la jeunesse africaine Amilcar Cabral. Merci d'être là et nous attendons vos remarques. Merci Salomé. Bonsoir tout le monde. Je vais intervenir en français parce que Imani parle en anglais. Donc, je préfère parler en français. Puisque pour avoir... Je suis Sabino Gomez Jr. Je suis un membre de la coalition PAETER. Et nous nous battons clairement, Monsieur Omaro Sissoko Embalo, parce que Monsieur Omaro Sissoko Embalo est un dictateur soutenu par la France. Clairement, pas le peuple français, mais le pouvoir en place continue à soutenir des présidents africains qui ne respectent pas la démocratie et qui continuent à opprimer. À opprimer le peuple. Nous, les jeunes, nous ne voulons plus cette Afrique-là.
Nous voulons suivre la voie propre d'Afrique. La voix d'Amilcar Cabral. Hold on, everybody. We're having a bit of technical difficulties. We're trying to figure out why there were two people speaking English. There seemed to be, there was no Portuguese. I don't know how to straighten this out. Can you, can the interpreters work this out? Oh, so they want you to continue now, Sandine, and they said it's worked out. Awesome. Sabine. Uh-oh, we lost him? Uh-oh. I think we... Nous l'avons perdu. Nous avons perdu la connexion avec le monsieur. Nous allons patienter à ce qu'il retourne. Part of the data struggles, which hopefully will be resolved. Nous espérons que nous pourrons résoudre ce problème une fois le PAIGC et la RPRP reprennent leur pouvoir. Rebienvenue, monsieur. Okay, I gotta just keep going, not restart. Alors, je vais continuer, je ne vais pas reprendre. Vous m'entendez? Do you hear me? Yes. OK. I'm going to keep going in French. Je disais que nous nous battons à côté de la coalition parce que nous croyons dans la vision présentée par le projet PAI Terra Arranca, parce que c'est le projet qui a mis en place le peuple en premier lieu. Et nous nous battons, nous croyons que c'est la voie à suivre. Nous devons respecter la volonté du peuple. Et la volonté du peuple a été exprimée de façon claire lors de les élections en mois de juin, le 4 juin dernier. Le peuple bissau-guinéen a choisi clairement le parti PAIGC avec 54% de la voix. Et malgré la victoire écrasante du parti PAIGC, la stratégie politique choisie par le parti a été de travailler en synergie avec les différents partis qui sont là en Guinée-Bissau. Voilà, nous pensons que c'est la voie du consensus, la voie de l'union qui pourra amener la Guinée-Bissau vers la voie du développement et de l'améliorer la condition de vie de son peuple. À partir de là, nous avons vu la création de la coalition PAI Terra. La coalition PAI Terra Arranca qui a commencé à travailler au niveau de l'Assemblée nationale, non uniquement avec les partis qui ont participé dans les élections avec eux, mais aussi avec des partis perdants comme PRS, PRS qui a été un parti qui a perdu les élections, mais que PAIGC a décidé de travailler avec eux au niveau de l'Assemblée nationale pour trouver du consensus et sortir le pays définitivement de la situation difficile que nous nous trouvions à l'époque.
J'ai travaillé personnellement avec Geraldo Martins pour préparer ce que nous avons appelé plan d'émergence. Parce que avant les élections, nous savons tous que le parti dirigé par Umaro Sissoco Embalo avait mis la population dans des conditions très difficiles. La noix de cajou, qui représente la force économique du pays, que plus de 90% de la population utilise pour pouvoir subvenir à ses besoins, a été vendue à un prix de moins de 20 centimes de dollars ici en Guinée-Bissau. Donc le peuple vivait dans des situations difficiles, dans des situations de faim, et puis le sac de riz était vendu à plus de 50 dollars. Chaque sac de riz de 50 kilos. Donc les gens avaient des difficultés pour subvenir à leurs besoins basiques. En moins de 3 mois, avec le gouvernement de Paetera Ranka, nous avons vu que le gouvernement a décidé de diminuer le prix de riz pour que même les pauvres puissent avoir la capacité d'acheter le petit riz là, le peu de riz pour donner à leurs enfants. Nous avons besoin que le gouvernement travaille pour la population. Donc, le gouvernement de Paetera Ranka a décidé aussi, malgré les difficultés économiques du pays, à diminuer le prix de l'essence et en conséquence, à diminuer le prix aussi de la farine. Donc, la population pouvait avoir le minimum, le pain. Le prix du pain a complètement baissé au pays. Nous parlons de la population qui a moins de 2 dollars ou d'un dollar pour survivre chaque jour. Et le gouvernement, en 3 mois, de Paetera Ranka, en 3 mois, a diminué le prix du riz, le prix de la farine et aussi le prix d'essence et était en train de diminuer le prix du sucre et des autres produits basiques pour que la population puisse avoir de quoi survivre. Mais malgré ça, nous avons vu le président dictateur soutenu par la France commencer à dessiner de plusieurs tentatives de fausses idées pour pouvoir mettre à mal le gouvernement de Paetera Ranka et aussi dérober ou faire tomber l'Assemblée nationale de façon illégale. Donc, nous avons compris que ces gens-là, leurs objectifs, ce n'est pas uniquement d'attaquer Paetera Ranka, mais c'est d'attaquer le peuple en elle-même. Ils ne veulent pas que le peuple puisse avoir des conditions de vie améliorées. Nous sommes déjà en train de voir des conséquences après cette tentative de décret, de faux décret, que nous appelons de non-lieu, un décret qui n'a pas de lieu d'être. Nous avons vu que le prix du riz a commencé à augmenter. Et le président dictateur s'en fout de la population et nous avons le coût de vie qui va augmenter encore. Nous disons non à cette attitude de ce monsieur dictateur. De ces messieurs qui veulent amener de la division au sein du pays. Nous travaillons pour unir le pays et lui, il travaille pour créer des désunions pour pouvoir régner. Nous sommes contre ces attitudes de messieurs Sissoko Embalo. Nous sommes contre, pas uniquement pour être contre, mais Aissatou a expliqué de façon résumée ce qui s'est passé avec elle. Mais elle n'a pas dit qu'elle a été battue. C'est une enfant qui a été battue parce qu'elle a dit non, elle a osé dire non devant la CEDEAO. C'est une enfant qui n'a pas d'armes, qui n'a aucun moyen d'agression contre la police. Elle est juste partie dire non, je veux la démocratie, je veux vivre dans un pays libre où je peux rêver, comme Cabral avait défini son pays. Un enfant comme elle, qui veut rêver dans son pays, qui veut travailler dans son pays, elle part manifester pour dire non au dictateur. Elle a été battue et agressée. Elle n'a pas été le seul. Nous avons vu les députés de PAIGC et Paetera Ranka qui sont partis pour travailler au niveau de l'Assemblée. Ils ont été tirés des tirs et des gaz lacrymogènes contre ces gens-là. Des gens qui étaient partis à peine manifester de façon démocratique, qui étaient partis travailler de façon démocratique. Leur lieu de travail a été fermé par des militaires. Nous sommes contents parce que nous sentons que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. La preuve, c'est cette organisation de cette vidéoconférence. Nous sentons que votre force arrive à nous
et nous voulons continuer à compter avec votre soutien pour pouvoir dénoncer non uniquement un président qui a été mis en force ici en Guinée-Bissau. Parce qu'il faut le dire, notre cher Iman a bien défini le contexte. Mais il faut le dire, M. Oumaro Sissoko Embalo a été imposé par les militaires ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été investi au niveau de l'Assemblée nationale, comme dit la Constitution de la Guinée-Bissau. Il a été imposé par l'armée ici en Guinée-Bissau. Donc, il veut encore un 12e mandat. Aujourd'hui même, il est en France pour partir demander aux colonisateurs de lui donner à peine, disons, un petit OK pour qu'il puisse revenir et mettre en place encore ces différentes idées pour mettre en mal la démocratie. Aujourd'hui, nous disons que la Guinée-Bissau est un pays libre. Nous sommes un pays libre. Nous devons, nous, définir notre voie de développement. Nous devons choisir ce que nous voulons que la Guinée-Bissau soit. Ce n'est pas le capital européen, ce n'est pas la France qui doit continuer à dicter qui doit être président en Guinée-Bissau. Nous disons qu'en février 2025, nous devons avoir un nouveau président. Nous savons tous qu'en novembre 2024, M. Oumaro Sissoko Embalo doit aller à l'élection présidentielle encore. Mais nous dénonçons l'appui de la France, nous dénonçons l'appui des militaires pour que ce petit dictateur continue à changer notre destin vers où on ne sait même pas. Nous ignorons vers où M. Oumaro Sissoko Embalo veut mener le pays. Mais nous sommes contre ça. Nous voulons que notre constitution soit respectée. Parce qu'il est clair que l'article 94 de notre constitution dit que l'Assemblée nationale ne peut pas être dérobée, ne peut pas être tombée, ne peut pas être mise à mal avant une année après ces élections législatives qui constituent l'Assemblée nationale. Mais nous voyons M. Oumaro Sissoko Embalo qui fait sortir un faux décret pour dénoncer et dire qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas des conditions nécessaires pour que les institutions de la République puissent fonctionner. Donc, en 6 mois, à moins d'un an, il veut faire tomber l'Assemblée nationale. Nous disons non à ça. Nous voulons la démocratie, nous voulons la paix, nous nous battons pour ça. Nous n'avons pas l'arme, nous n'avons pas... Thank you so much for... Merci beaucoup pour ce fort discours. Yes, it goes on. Effectivement, la lutte continue. Merci beaucoup. Nous allons combattre contre ce dictateur et il va respecter la loi. Merci, merci. In the words of Amakal Cabral, as you... We have here Theodora. Nous avons Theodora ici, Gomez, Theodora Gomez. Elle a combattu pour notre indépendance. C'est une héroïne ici. Old fighter. Elle a combattu pour notre liberté. Elle est là pour nous encourager. Merci beaucoup d'être ici. Merci de nous rejoindre. Comme vous en avez parlé, vous avez parlé de Cabral aussi. Quand vous en parliez, je pensais à ce qu'il a dit. La raison pour laquelle les peuples se battent, toujours garder en tête que les peuples ne se battent pas pour des choses matérialistes, mais se battent plutôt pour la paix et garantir le futur de leurs enfants. Merci de nous rappeler des besoins matériaux des peuples. C'est un moment très historique dont nous parlons. Nous parlons des mêmes choses que Gomez a citées aussi. Donc, merci à tous. Nous allons ouvrir les questions à notre audience. Nous allons commencer avec la première question de Kwame. La question dit,
qu'est-ce que nous pourrons faire du côté matériel à la diaspora pour pouvoir soutenir l'AIGC? Cette question serait mieux pour Imani. Premièrement, merci pour cette question. Je remercie mes camarades d'être présents ici. Je vous remercie aussi pour les sacrifices que vous avez faits pour être là aujourd'hui. Nous travaillons plus fort et plus dur chaque jour. Pour pouvoir répondre directement à cette question à propos des besoins matériels et comment nos camarades qui vivent en dehors de l'Afrique peuvent aider le PAIGC et à la Guinée-Bissau, je pense que nos camarades, si vous êtes conscient, si vous êtes un militant de la PAIGC, ce que les militants font pour la PAIGC, les militants de la PAIGC font pour la société, et ce que nous avons de notre côté, c'est le fait que la Constitution dit que vous ne pouvez pas rejoindre l'Assemblée nationale les 12 mois qui précèdent une élection présidentielle. Donc, ce qui a été fait cette fois, c'est en contradiction avec la Constitution nationale. Donc, nous avons ça de notre côté. Vu que nous sommes membres de plusieurs communautés, nous sommes aussi membres de l'ECOWAS, de l'Union africaine, des Nations unies. Nous faisons aussi partie du CPLP, des pays qui parlent portugais dans le monde. Donc, ces trois organisations que nous avons mentionnées, l'ECOWAS, vu qu'ils ont déjà pris leur décision au niveau international. Donc, notre diaspora à l'intérieur de la Guinée-Bissau et en dehors de la Guinée-Bissau, essaye de nous aider. Mais il y a toujours certains ennemis qui essayent de bloquer ces aides, ne leur permettent pas d'aller à l'Assemblée nationale. Vous pouvez le faire par téléphone, par exemple. Vous pouvez appeler l'ECOWAS. Vous pouvez appeler la commission permanente. Le président s'appelle Ali Atouré. C'était un membre du gouvernement gambien. Pour pouvoir lui faire un peu de pression pour prendre une décision finale. Donc, ce sont ces membres-là de notre organisation, ces 700 soldats que nous avons, appeler la commission de l'ECOWAS pour s'assurer qu'ils puissent ouvrir les portes de l'Assemblée nationale, aussi leur demander de rendre la sécurité de l'Assemblée nationale au peuple, surtout après cet accident-là en particulier. Et à ce moment-là, notre mouvement pourra continuer d'avancer systématiquement. L'ennemi, à ce moment-là, a peur de nous et c'est un cauchemar pour eux parce que après tout ce qu'ils ont fait à ce peuple, tout ce qu'ils lui ont fait pour lui faire peur, ils soutiennent encore le PAIGC. Si vous parlez à tous ces jeunes dans les universités, ces centaines de jeunes dans les écoles, vous verrez qu'ils supportent tous le PAIGC malgré tout ce qui s'est passé. Si vous allez dans les secteurs des femmes et que vous leur demandez aussi, vous aurez les mêmes réponses. Donc l'ennemi continue à essayer de nous faire peur et essayer de faire baisser nos voix. Donc, il faut dire que si vous touchez un seul cheveu de nos militants,
the PIC National Headquarters, right next to the presidential palace. And he can't hide anywhere he goes in the world. If he tries to go to DC, y'all get him there. If he goes to New York, get him there. Donc peu importe où ils iront dans le monde, nous pourrons les avoir dans les quatre coins du monde, même s'ils vont sur la Lune, par exemple. Nous n'allons pas juste rester là et juste accepter ce qui est en train de se passer. Donc, nous voudrions demander à ceux qui sont dans la diaspora africaine internationale. L'interprète n'arrive pas à suivre. Si vous avez accès aux parties de notre diaspora à l'international, restez en contact avec eux. Mettez-les à jour à chaque fois sur vos situations pour nous assurer d'être tous ensemble pendant notre victoire parce que nous n'avons aucun doute sur notre victoire et nous allons réussir à transformer notre société. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver. C'est un combat constant que nous sommes en train de mener. Donc, en prenant en charge ce système de communication systématique et continue, nous pouvons aller plus vite. Personne ne me paye pour travailler avec le PAIGC. Et je suis content de voir que certains ici ont accès à l'éducation pour pouvoir devenir médecin, ingénieur, etc., pour pouvoir sensibiliser nos peuples. Donc, en termes de contribution, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour nos interprètes? Je m'excuse d'aller aussi vite, c'est mon émotion. Nous voulons que vous soyez prêts à faire tout ce qui est en votre pouvoir et d'en arriver là où il faudra, peu importe où c'est, pour pouvoir nous organiser. Est-ce que vous pouvez imaginer si on arrive au point où nous aurons tous ces gens qui pourront s'organiser pour nous au Sénégal et au Nigeria? Ça va venir, mais nous allons avoir des milliers de personnes qui vont entourer le siège de l'ECOWAS. Et d'un autre côté, si l'ennemi fait quelque chose ou essaye de faire quelque chose contre nous, nous aurons des milliers de soldats qui seront sur place, aussi en France. Donc, c'est la force de notre organisation. La première chose que nous voulons faire, c'est vous donner une copie de cette lettre de l'implémentation pour l'ECOWAS. Envoyez-les à vos amis, partagez-les sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet si vous en avez. Et ceux qui sont proches d'une ambassade ou à des numéros de téléphone d'un ambassadeur du Nigeria ou quoi que ce soit, vous pourrez leur écrire. Aussi, le président du Nigeria, qui est président de l'Assemblée ministérielle ou présidentielle de l'ECOWAS. Donc, cette position a été donnée à la Gambie pour présider l'Assemblée présidentielle. Il y a certaines autres questions que nous voudrions traiter aussi. Est-ce que ça vous dérange de finir un peu plus vite? Donc, nous devons les inonder avec des appels téléphoniques, inonder les réseaux sociaux pour leur expliquer que les situations qu'il y a en ce moment dans la Guinée-Bissau et dans les autres pays ne nous plaisent pas et que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer les choses et pour faire changer et pour dominer un jour. Merci. Merci. La prochaine question, c'est de la part de ECOWAS en Guinée-Bissau, à propos de la Guinée-Bissau. La question dit,
La question est pour M. Sabino. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'ECOWAS et de son rôle dans ce qui se passe en Guinée-Bissau? Merci encore une fois, Salomé. Merci, Imani. C'est bien d'expliquer, comme vous l'avez fait, ce qui se passe ici en Guinée-Bissau. Mais pour nous, ECOWAS est une organisation de l'Afrique de l'Ouest. Le point, c'est que cette organisation a été construite pour, avec le soutien de la Guinée-Bissau. Nous avons cru en cette structure. Nous avons cru que l'ECOWAS a été construite pour améliorer la vie des peuples ouest-africains, mais et pas pour améliorer la vie de nos présidents. Nous demandons à l'ECOWAS de revenir aux bases et nous leur demandons pourquoi nos pays ont décidé de créer cette organisation et travailler ensemble. Est-ce que c'était pour supporter les présidents ou est-ce que c'était pour trouver un moyen d'améliorer les niveaux de vie des peuples de l'Afrique de l'Ouest? Si nous parlons des peuples, nous croyons que les dernières réunions présidentielles parlent clairement à M. Mbalo et on lui demande de revenir en Guinée-Bissau et laisser tomber cette idée de faire tomber notre démocratie et notre gouvernement et de détruire notre congrès. Il doit abandonner cette idée et l'oublier. Et encore une fois, la décision de l'ECOWAS, c'était de défendre la démocratie. Et l'ECOWAS a clairement dit, Omaro Mbalo doit laisser le premier ministre en place, Gerano Martens. Encore une fois, ils veulent voir la démocratie. Ils veulent faire en sorte que la démocratie reste et qu'elle soit forte en Guinée-Bissau. Mais pendant que le président revient, nous voyons le PSGC et le Pathé Alenka ont laissé une fenêtre ouverte pour le dialogue et pour pouvoir parler à Omaro Sissoko Mbalo. Nous devons comprendre que même maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, le PSGC et le Pathé Alenka n'ont pas demandé au peuple de sortir et défendre notre vote. Nous sommes en train d'attendre. Nous voulons définir et trouver un moyen pacifique de résoudre ce problème. Nous demandons à l'ECOWAS d'envoyer une équipe ministérielle de diplomates en Guinée-Bissau. Nous attendons de leur part de venir le plus rapidement possible avant que l'on convoque le peuple, avant que nous décidons de vraiment combattre pour nos droits, parce que nous sommes prêts, nous sommes réellement prêts, et nous pouvons mourir pour cette cause. Cabral est mort pour notre espoir. Et cet espoir, c'est nous, c'est moi, et c'est ces autres jeunes qui sont ici avec nous. C'est Aissatou, c'est ceux qui se battent pour nous. Donc, en même temps, en ce moment-là, tout de suite, si nous convoquons le peuple en disant que nous vous demandons de gagner les rues, nous allons nous assurer que ce sera fait. Donc, nous allons être devant eux. Nous sommes prêts à le faire. Mais avant d'en arriver là, nous demandons à l'ECOWAS qu'ils décident, peut-être une décision de dernière minute, d'envoyer cette commission et de lui demander de venir et parler à Omaro Sissoko Mbalo et lui demander d'arrêter. Il doit arrêter. Parce que si cette
Si ce point n'est pas clair pour Omar Sissoko Embalo, comme je l'ai dit, nous sommes prêts. Les jeunes, le peuple de la Guinée-Bissau est prêt à dépendre sa démocratie, à défendre sa démocratie, pardon. Mais comme il l'a dit, Imani l'a dit, nous demandons au Premier ministre d'être celui qui définit le pont entre le PSGC et Oumanou Sissoko Embalo. L'ouverture du dialogue est nécessaire parce que nous voulons la paix. Nous combattons pour la paix. Oui, bien sûr. Merci. Si quelqu'un veut aussi répondre à cette question, en plus de la question qui dit que qu'est-ce que nous pourrons prendre du mouvement progressif de la Palestine et du Soudan comme leçon, qu'est-ce que nous pourrons en tirer comme leçon pour l'instant? Les gens savent, connaissent leurs conditions, connaissent leur situation. Et nous méritons notre autodétermination et notre autonomie. Donc, encore une fois, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole et parler à l'ECOWAS, parler de l'ECOWAS et à propos de la solidarité palestinienne. Est-ce que je dois en parler moi-même ou est-ce que c'est Imani qui va en parler? Vous pouvez commencer avec la question. Nous pouvons commencer par n'importe lequel des autres speakers à propos de la question de l'ECOWAS en Guinée-Bissau. Et après ça, celui qui voudra pourra prendre la parole pour le mouvement de libération de la Palestine et du Soudan. Comme vous le savez, Ami Capral nous a montré le chemin à suivre. Nous ne nous battons pas seulement pour la liberté de la Guinée-Bissau, mais nous nous battons pour la liberté des êtres humains. Lorsque nous voyons la Palestine et ce qui se passe dans d'autres pays comme le Congo et d'autres pays, pour nous, c'est seulement le peuple. Ce que nous regardons en premier, c'est le peuple. Ce sont des humains comme nous. Ils sont en train de souffrir. Nous voyons des actions militaires qui tuent des enfants. Nous voyons des militaires qui combattent les espoirs des gens. Nous voyons des mères qui pleurent et qui n'ont aucun espoir. Nous voyons aussi ça au Congo, de jeunes êtres humains qui pleurent parce qu'ils sont utilisés de plusieurs manières juste pour prouver l'autorité des dictateurs et que pour que les dictateurs puissent prouver qu'ils ont le pouvoir et non pas le peuple. Mais en Palestine, je pense, ce sont d'autres genres de solutions dont nous avons besoin. Je pense que la Guinée-Bissau peut être un exemple, parce que ici, nous avons des politiciens, nous avons des politiciens corrompus qui travaillent avec des pays comme la France, mais le peuple reste toujours uni. Nous avons plusieurs ethnies. Nous avons les Pépères, nous avons les Baïlako et plusieurs ethnies, ici en Guinée-Bissau, mais qui sont unies malgré tout. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc je pense que c'est la même chose en Palestine. Donc je pense qu'au niveau des peuples, nous pouvons trouver un moyen de créer un dialogue pour échanger les idées et trouver des solutions. J'essaie de dire que peut-être la solution doit venir du bas vers le haut, plutôt que du haut vers le bas. Peut-être nous pouvons proposer des solutions. Nous pouvons commencer à
penser à des solutions qui viennent du peuple, du plus bas de la société, pas seulement au niveau des politiciens, parce que à leur niveau, je pense que pendant plusieurs années, nous avons eu toujours la même chose. Nous voyons chaque année, nous voyons plus de Palestiniens qui meurent chaque année. Et nous sommes en train, et qui sont en train de perdre espoir. En tant que pays frère, je pense que la Guinée-Bissau peut commencer à parler des solutions qui peuvent émaner des peuples et des niveaux et des couches basses de la société. Peut-être qu'au niveau des politiciens, je pense que ce ne sera pas possible de trouver une solution chez les politiciens. Et je suis venu ici en tant que...